ans de Spirit of Stars, c'est 10 ans de fête comme ça derrière là. Ouais. Donc c'est toujours génial, c'est toujours plein de monde et c'est toujours une grosse grosse fête. Ben, merci à Michel. Mais bon anniversaire, merci beaucoup, hein. Très bientôt. Merci Michel. Merci Michel. Star et toi? La Spirit of Star, mais je pense que c'est pas moi, c'est nous tous en fait. C'est vrai que c'est quelque chose que Michel a lancé et on a tous suivi sur plein d'événements, que ce soit avant, pendant ou après. Moi je suis arrivé après. Oui. Tommy jouait beaucoup sur Caliente par exemple. J'ai fait Caliente, Ego, Finally, Vicious Boy, Nasty aussi avec Sharp Boys. Ouais. C'est une grosse soirée. La pool party, quand même. Oui. Faut qu'on dise bon anniversaire à Michel et puis à Spirit of Star. Happy birthday to you, Michel. Bon, c'est bon, on n'en fera pas plus, hein, mais on est tout cœur avec toi. Hein. Plein de bisous, Michel, et bon anniversaire. À dans 10 ans. Bon anniversaire à Spirit of Star. Merci pour Finally, pour Caliente, pour Ego, pour l'Aqua Boulevard, pour tout, pour ça. Michel est un mec vraiment fantastique. De Michel Mo. Alors Michel, Spirit of Star, c'est quand même quelque chose. C'est mes 10 ans, je n'ai que 10 ans. Alors, Nectar, Ego, Finally, Gorgeous, là vraiment. Season Lunch, tout mais, ça. Non mais j'en oublie parce que effectivement c'est quand même quelque chose. Tu crées des soirées et puis des lieux que tu investis. Maxime, l'Étoile, l'Elysée Montmartre, et ici évidemment le Mix Club. Bref, la totale quoi. Écoute, ça fait 10 ans qu'on essaye de faire des choses originales, de se donner du mal pour faire découvrir aux clubbers des lieux qui sont hors normes. On a ouvert des portes de lieux magiques, le théâtre du Châtelet, le printemps. Et on a essayé de faire rêver les gens en racontant une histoire, en essayant de faire montrer aux gens qu'on peut rêver à Paris, qu'on peut avoir un clubbing à la française, qu'on a des DJ qui sont formidables, qui nous font rêver, qui nous racontent des histoires. Et qu'on a des partenaires qui nous suivent, des médias, des gens comme notre cher Franck Clairet qui nous... Oh, arrête ! Et voilà, je suis content ce soir parce que c'est l'aboutissement d'une carrière où on s'est vraiment donné du mal et où on remercie les clubbers de nous avoir suivis, les promoteurs d'être avec nous et où on espère qu'on a réussi à apporter quelque chose dans le clubbing français. Tu as une renommée internationale, c'est ça quoi ? On est l'une des seules foirées gays qui s'exportent aujourd'hui à l'international. Et on en est fiers parce que c'est la French Touch, c'est nos petits DJ et puis c'est la French Vibes. On sait faire la fête à Paris, il faut le dire. Il en oublie, il est trop modeste Michel. En tout cas, c'est un garçon super gentil, moi que je connais depuis ses débuts. Donc Spirit of Star, j'ai vu naître Spirit of Star et grandir Michel Mo au travers de ces événements. Sachez que c'est quelqu'un de très modeste, très gentil. Qui est très professionnel. Alors Michel, on veut encore des soirées. Moi j'aimerais dire un petit mot parce que c'est vrai que sur les événements qu'on organise, on n'a pas toujours tout le temps qu'on aimerait passer avec les gens parce qu'il y a beaucoup de stress, parce qu'il y a beaucoup de lieux qui ne sont pas des clubs. Donc il y a beaucoup de travail en amont, en aval. Le soir de la soirée, on court beaucoup. Mais c'est pas parce que je suis hautain, c'est pas parce qu'on ne fait pas attention aux gens. On a toujours essayé de donner le maximum de ce qu'on savait faire aux gens. Et j'espère que les gens l'ont bien compris.
et que voilà, on est là pour les gens, on est là pour, leur, pour essayer de leur apporter un maximum et qu'on espère qu'on les fera rêver encore un bout de temps. Bah, il n'y a pas de problème, c'est sûr que tu vas nous faire rêver. En tout cas, on t'aime tellement qu'on a évidemment besoin de te voir. Moi, je suis frustré quand je viens à tes soirées et que je te vois en coup de vent, parce que c'est ça, Michel Mo. C'est quelqu'un de tellement professionnel qu'il a envie de faire tout bien, tout parfait. Voilà, donc en finale, il n'est jamais avec ses invités. C'est vrai, mais voilà, c'est vrai qu'on court souvent, mais on est là par l'esprit de la soirée qu'on vous transmet. Quand on voit un dance floor où les gens sont les bras levés, qu'ils ont le sourire jusque-là, et ben, ça fait, c'est quelque chose de magique et c'est ça la reconnaissance vraiment qu'on attend. Et merci, voilà, c'est, on n'attend pas plus que ça. En tout cas, merci à toi, parce que vraiment, tu nous emmènes dans des univers très intéressants. Tu nous fais voyager, tu nous fais rêver. Bah voilà, c'est Spirit of Star quoi. Merci à vous et on se retrouve très vite sur les dance floors pour de nouvelles aventures. Bien sûr, avec grand plaisir, Michel.